وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Serviteurs d'Allah, nous allons nous arrêter aujourd'hui avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dans lequel il a résumé la religion, où il a dit que la religion se résumait en une caractéristique et une qualité qui est la sincérité, an-nasiha. Le hadith, c'est le hadith de Abi Ruqayya, Tamim ibn Awsin al-Dari, radiyallahu anhu, où il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La religion est la sincérité ». Nous dîmes envers qui ? Il dit envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et le commun des musulmans, rapporté par le Bukhari et Muslim. An-nasiha, l'origine de ce mot, on dit d'un miel pur. Quand il a été purifié de la cire, nasaha al-asal, c'est-à-dire il a purifié le miel. C'est un miel pur, complètement sans mélange. De même que certains savants comme l'imam al-Nawawi ont dit que nasaha, ça vient du fait de relier deux pans de vêtements en les cousant. Quand il y a par exemple un trou ou une déchirure. Donc, an-nasiha, c'est le fait de lier, c'est le fait d'avoir des sentiments purs, d'être sincère, qui est le contraire de la tromperie. Et parfois, la meilleure définition d'une chose est d'expliquer son contraire. Donc, an-nasiha, c'est le contraire de la tromperie. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé la religion, l'islam, l'iman dans an-nasiha. Car ad-din, le mot ad-din, quand il est cité seul, il veut dire l'islam, il veut dire l'iman, il veut dire ad-din. Ça englobe le tout. Ce sont des synonymes. La sincérité envers Allah. Cela veut dire de lui vouer un culte exclusif. De n'adorer que lui sans lui donner d'associé. De n'invoquer que lui. De ne sacrifier que pour lui, de croire en lui et en ses informations qu'il a révélées à travers le Coran et la Sunna authentique. Cela veut dire de s'en remettre à lui, de revenir à lui repentant et d'appliquer ses ordres et de s'éloigner de ses interdits. C'est ça la sincérité envers Allah. La sincérité envers le livre d'Allah, c'est le fait d'avoir la foi ferme et sans aucun doute convaincu que le livre d'Allah, que le Coran est la parole d'Allah. De croire en lui, de croire qu'il est venu, le Coran, avec des nouvelles véridiques, des règles et des lois justes, et des histoires profitables, et qu'il est obligatoire à l'humanité entière de revenir à lui pour se faire juger dans toutes les affaires. La sincérité envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de croire en lui, qu'il est Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, le messager d'Allah, choisi par Allah pour être envoyé à l'humanité entière, homme et djinn, jusqu'à la fin des temps. Qu'il a été envoyé, il a nasikaf pour tous les gens, comme miséricorde, bashiran wa nadira, comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. C'est le fait de l'aimer pour Allah, et non pas de l'aimer comme on aime Allah et de l'adorer en dehors d'Allah. De l'aimer pour Allah
car Allah l'a aimé, et car il est l'être humain le plus aimé d'Allah, et qu'il est le meilleur des hommes, et qu'Allah nous a ordonné de l'aimer, d'un amour légiféré, de l'aimer plus que l'on aime nos enfants, nos parents, le monde entier, de l'aimer plus que l'on aime sa propre personne. Car personne ne sera véritablement croyant tant qu'il ne l'aimera pas de cette manière-là. Et l'aimer, cela veut dire d'apprendre sa sunna, sa tradition, de la connaître, de la méditer, de la mettre en pratique, de la défendre, de la protéger de toute altération et d'être prêt à se sacrifier pour la protéger. La sincérité envers les dirigeants des musulmans. Cela veut dire d'avoir des sentiments loyaux et sincères envers eux, en leur conseillant le bien et la vérité, et en ne mettant pas le trouble au sein de leurs administrés contre eux, en ne montant pas leurs administrés contre eux, et en patientant sur leurs erreurs et sur leurs méfaits. De même que cela comporte le fait de les aider dans l'obéissance d'Allah et de se tenir à leur côté dans tous ceux dans lesquels il y a du bien pour l'islam et les musulmans. Puis, la sincérité envers le commun des musulmans, qui se résume en un hadith, c'est d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Comme Ibn Daqiq ibn al-Aid, rahimahullah, a expliqué ce hadith. Il a dit, c'est quoi la sincérité envers les musulmans? C'est ce hadith. D'aimer pour ton frère le bien que tu aimes pour toi-même. D'être un bon conseiller pour eux. D'aimer le bien pour eux. De les appeler au bien. De leur enseigner le bien. De leur conseiller le bien. De leur déconseiller le blâmable. De lier les liens de fraternité par lesquels Allah nous a unis et nous a liés. Et d'autres parmi le droit des musulmans. Et il ne faut pas oublier quand on dit c'est la sincérité et le bon conseil envers le commun des musulmans. Il n'y a qu'une personne à ne pas oublier, sa propre personne qui fait partie du commun des musulmans. Donc il faut s'enjoindre à obéir à Allah, se conseiller à soi-même le bien et s'exhorter à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et se mettre soi-même en garde à s'écarter de l'obéissance d'Allah ou à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut retirer de ce hadith plusieurs leçons et plusieurs règles. Nous allons citer les règles essentielles et les leçons essentielles. Premièrement, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a résumé l'islam à cette qualité qui est an-nasiha, la sincérité. Effectivement, le bon musulman croyant, c'est une personne sincère qui ne porte que des bons sentiments et une bonne opinion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son livre, de son messager, des dirigeants des musulmans et du commun des musulmans. Même plus loin que ça, il essaye même d'être bénéfique au commun des gens, même qui ne sont pas musulmans, en les appelant à Allah, en leur montrant le chemin de l'islam, en patientant sur leurs méfaits et autres qualités auxquelles l'islam appelle. On voit aussi dans ce hadith que la sincérité elle est dirigée envers cinq. Comme il est cité dans le hadith, envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et envers le commun des musulmans. Une question se pose. Pourquoi les dirigeants des musulmans ont été cités seuls alors qu'ils font partie du commun des musulmans? N'est-ce pas? Car certaines règles dans la nasiha, dans la sincérité et le conseil vis-à-vis d'eux, diffèrent de la manière dont on conseille le commun des musulmans. Premièrement, il est permis et parfois même obligatoire de conseiller le commun des musulmans, même si c'est une personne connue, en public, et de le reprendre en public quand il fait une erreur publique
qui peut nuire à tous les musulmans. Par contre, ceci est interdit vis-à-vis du gouverneur. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ici déjà a différencié entre le conseil qui est donné au gouverneur, aux dirigeants des musulmans et aux communs des musulmans. Puis, il est venu dans d'autres hadiths authentiques le détail de cette manière dont ce gouverneur doit être conseillé. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith d'Abdullah ibn Abbas, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens du hadith en français, si l'un de vous voit chez son gouverneur une chose qui lui déplaît, c'est-à-dire quelque chose de blâmable, alors qu'il aille le voir en tête à tête et qu'il le prenne par la main et qu'il le conseille pour Allah, s'il met en pratique ce qu'il a fait, alhamdulillah, sinon il aura fait son devoir vis-à-vis d'Allah. Dans un autre hadith, et on voit les semeurs de troubles et les troubles faits, et les têtes des révolutionnaires qui viennent citer des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les interpréter selon leur passion. Comme celui que je vais citer, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les chefs des martyrs ou le meilleur des martyrs, c'est Hamza ibn Abi Talib et un homme qui est venu voir un tyran, un gouverneur injuste, et qui lui a ordonné le bien et déconseillé le blâmable, alors ce tyran l'a tué. Ils disent, regarde, ce hadith, il dit qu'il faut l'ordonner même si jusqu'à que tu meurs. Mais qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith? Qui est venu le voir en face, pas non pas sur le manabir, pas dans les journaux, pas à prendre le commun des musulmans comme bouclier. Et lui, il va en vacances à Londres et à l'autre bout de la terre et il sacrifie tous les musulmans dans les rues. Va le voir en face si tu es un homme. Et dis-lui en face ce que tu lui as à lui dire. Et s'il te tue, tu seras le meilleur des martyrs. D'ailleurs, dans un autre hadith aussi, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus grand des djihads, c'est de dire une parole de vérité auprès d'un dirigeant injuste. Inda Sultan Injair. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zarfou Makan, il a dit à l'endroit, à quel endroit il doit lui dire la vérité. Pas sur le minbar, pas dans les journaux, pas dans les rues, pas sur internet. Indahu, en face de lui. Et voilà des hadiths que certains égarés utilisent pour pousser les gens à sortir dans les rues et à arriver au résultat auquel on est arrivé aujourd'hui dans le monde musulman, qu'il ne reste plus de sécurité, que la religion elle est en danger, que le sang il a coulé, que maintenant tous les musulmans sont loin d'être préservés dans leur honneur, dans leur intégrité, dans leur vie et dans leur religion. Qui est la cause de tout cela? Est-ce que ces gens qui les ont poussés, ce sont des nasihin, ils ont été sincères envers eux? Est-ce qu'ils ont été sincères envers Allah? Est-ce qu'ils ont été sincères envers le livre d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la religion d'Allah? Est-ce qu'ils ont été sincères envers les gouverneurs des musulmans? Est-ce qu'ils ont été sincères envers le commun des musulmans? Jamais. Ce sont eux qui les ont poussés au massacre que l'on est en train de vivre. C'est pour cela, serviteur d'Allah, il n'est pas permis de s'écarter d'un pas, surtout pour une personne qui appelle à Allah et qui conseille les musulmans et qui enseigne l'islam et qui s'est mis à une place où il prétend appeler les gens à Allah. Il n'est pas permis qu'il appelle à un autre chemin que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car en cela, il aura fait quoi? Il aura trompé les musulmans. Et celui qui nous trompe, il ne fait pas partie des nôtres. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا على الحق والدين وأن يحفظ المسلمين في كل مكان والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما